Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un jeu d'arcade. Donc on va tester la version Dreamcast de Crazy Taxi 2. Voilà, donc c'est sur l'émulateur Redream. L'émulateur Redream, vous pouvez le télécharger gratuitement. Charge à vous après de trouver des jeux et vous pouvez rajouter 5€ pour avoir le choix de l'utiliser avec des versions des graphismes HD. Mais là, il faut quand même un bon petit PC. Donc allez, on va lancer le jeu. Alors on va prendre le mode tout simple, on va faire une partie de 5 minutes. Donc le but du jeu, c'est de ramasser des gens et de récupérer de la monnaie. On va prendre, tiens, Iceman. Voilà, l'homme de glace. Alors, bah, le jeu est un peu vieilli, il est un peu cubique. Donc je sais qu'il y a deux mecs qui attendent là-bas, il y a les Jackson 5, mais ils sont que deux. Voilà, parce que c'est la nouveauté dans cette version, en fait, on peut prendre des groupes. Il y en a un qui va aller à Burger King, forcément, et l'autre au supermarché, ok. Allez, c'est parti, donc on roule comme un fou. Alors on peut aller sur les jambes, on peut pas les écraser. Là, c'est pas du GTA. On a aussi une fonction de saut avec la voiture. Donc quand on frôle des voitures, on gagne plus d'argent, et puis on peut faire un petit saut. Hop. Mais là, c'est une mauvaise idée, parce qu'il y avait un plafond. Donc je me suis pris le plafond. Et la flèche nous indique la direction où il faut aller, justement. Alors, quand on connaît bien la map, on n'a plus besoin de la flèche, mais là, je me rappelle plus trop de la map. Et la flèche n'est pas hyper active. Voilà, ici on peut les déposer. Hop, au Burger King, on va déposer l'autre. Alors il y a eu un ou deux petits ralentissements, mais en fait c'est parce que mon émulateur est sur un vieux disque dur. Donc il faudrait que je le mette sur un disque dur... Qu'on appelle ça SSD, voilà, ça sera mieux je pense. Allez, on dépose le deuxième au supermarché. Hop là, on freine. Ça va, speedy, je suis dans le vert. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Bah tiens, il y a quelqu'un là. C'est qui, c'est quoi? Un mec en costume, il faut aller à la station. Station de métro, station de train. Je sais plus où aller. Donc on est reparti. Hop. Vous voyez, la flèche a toujours un petit peu de retard. Bah, les voitures, c'est un peu cubique. Hein. Alors, bah, sauter un peu par-dessus tout ça. Hop. Voilà, donc j'ai des petits bonus. Attention au bus, parce que le bus ça rigole pas. Ah merde, je me suis pris le camion. Allez hop là, qu'est-ce que c'est? Ah mais quelqu'un qui a pris le taxi, j'avais pas vu. Au musée de l'art, en route. Alors le premier se passait à San Francisco, et celui-là, je sais pas, il marquait Big Apple, alors est-ce que c'est New York? Je me dis, est-ce que San Francisco, il y avait le tramway, et là, il n'y a pas de tramway dans cette version. Voilà. Ah ouais, non, alors là, je croyais que c'était un tunnel, mais c'est le décor. Il n'y a pas de tunnel. C'est dommage, ça manque un peu de variété au niveau des véhicules. Hein. C'est toujours les mêmes camions. Les gros camions citernes, les bus, les camions ben. Ah, tiens, on va prendre des pom-pom girls. Allez, montez les poulettes. Il y en a trois, alors le vent où? À la boutique de vêtements. HVM, ça me fait penser à H&M. Allez, on va déposer les filles. Hop là. Elles font monter un petit peu les pompons. Hop là, elles sont contentes. On va aller sur la bonne voie quand même, ça sera mieux. On peut rouler au milieu, mais au milieu il y a des piétons, il y a des endroits après où il faut tourner. Voilà, j'ai loupé un peu mon saut. Et poussez-vous. Ça manque d'un petit klaxon. Vous voyez, la flèche part un peu en brouillage, puisqu'en fait le magasin est plus bas. Sinon c'est tout simple, les contrôles, vous avez une gâchette pour accélérer, une gâchette pour ralentir, un bouton pour passer la marche arrière, et un bouton pour sauter. On va y déposer, allez, allez. À la prochaine, allez, on va au HMV, le H&M. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à H&M d'ailleurs, ah, bah, c'est juste à côté. Hop là, descend. Bon alors si on accélère trop vite au démarrage, on dérape. Allez. Alors souvent le personnage qu'on prend, le taxi est différent, il y en a un qui a un vieux taxi. Bon, après c'est toujours jeune des taxis. Et une fille aussi, j'ai jamais conduit avec la fille. Et je vous rappelle qu'on a pris Iceman. Donc allez, oula, le compteur devient jaune, c'est-à-dire que la fille va pas me payer beaucoup. Allez. Ah, ah merde. Ah, ça bug, ça bug. Faudrait que je passe la marche ailleurs, je suis bloqué. Allez, pousse-toi le bus. Ça, c'est chiant quand on touche un bus, voilà, il s'arrête et ça avance plus, quoi. Bah ouais, slow, forcément, hein, désolé.
Désolé, la pom-pom girl. J'en perds mes mots. Oula, le taxi a fait une marche arrière. Allez, dégage toi aussi. Il va aller où lui à la bijouterie? Bah tiens. Pas besoin d'aller loin, la bijouterie elle est en dessous de chez moi. IRL, j'ai une bijouterie en dessous de chez moi. Allez, on fonce à toute berzingue dans les rues. Hop là, c'est bon, pour l'instant le chrono est en vert. Je parle du chrono du passager. Voilà. Alors des fois les véhicules arrivent vite aussi. On a fait un petit saut. Ah, c'est de l'autre côté. Faut prendre un virage serré. Allez, c'est bon, c'est juste en face. Descends. Ouais, slow. Et il me reste 5 secondes, bah, même pas le temps de prendre quelqu'un, quoi. Trop tard. Time up. Alors, comment je suis classé? J'ai fait 3 539 $ et je suis classé B. Bah, c'est pas mal, licence B. Enfin, une petite partie. Voilà, on peut sauvegarder. Hop, on repart. Allez, une de 5 minutes, juste pour le fun. On va prendre, bah tiens, Slash. Alors, écran de chargement, ça je vous le coupe un petit peu au montage. Et voilà, un beau taxi, waouh, avec des fauteuils en pot de zébu. On va changer, on va prendre en face. Et les PNJ sont toujours au même endroit à peu près. Si j'aurais coupé le parc, on serait encore tombé sur les Jackson 5. Allez, hop là, poussez-vous. Ah bah là, c'est pas loin, tiens. Ah, il y a encore un bus, on va faire gaffe. C'est déjà fait avoir tel avec le bus. Ah, j'ai freiné trop tôt. C'est un peu chiant aussi, ça. Normal, ok. Un pendu là-bas, il a un dollar vert. Tu vas où, toi? À l'église? Elle est pas à côté, l'église. Alors là, au lieu de nous dire de faire demi-tour, en fait, il va nous faire faire un super détour. Voilà ce que c'est que les flèches. C'est un GPS d'époque. Allez. Tiens, on va couper par là. Et voyez, hop, d'un coup, la flèche nous a mis dans le bon sens. Sinon, nous aurions fait tout un détour pour prendre la route d'en bas. Il y a un double bus, enfin, un bus articulé. Canyon citerne, ah non, on peut pas sauter par-dessus. Ah, on roule sur la piste cyclable, ou plutôt la bande d'arrêt d'urgence, là, sur un pont. Hop, on engrange des dollars. Donc le but, c'est ça, en fait, hein, c'est de faire le plus de dollars possible. Merde, qu'est-ce qu'il y a eu? Je me suis pris le plafond. Et la voiture a fait tournicotis, tournicotant. Allez, hop. C'est bon, encore dans le vert. Il n'y a pas de véhicule de police. Ça aurait été fun qu'ils mettent un petit véhicule de police. Ah, ça a frisé un petit peu. Ah, en plus, je crois que j'ai un disque dur qui tourne à 5200 par minute, quoi. C'est pas le plus rapide. Allez, allez, 8, 7, 6, 5, 4, poussez-vous, il faut que je le dépose, 3, 2, 1, ouch! Ouais, et je crois qu'il me paye moins du coup. Alors, on est reparti, alors par contre j'espère que j'aurai pas de strike pour la... Tiens, du jardin botanique. Pour la bande sonore, parce que je sais que sur Crazy Taxi 1, à chaque fois c'est monétisé par un ayant droit. On verra bien. Alors, il faut l'amener à l'église. Et l'église, elle est où? Parce que par là... Ah non, c'est le jardin botanique. Le jardin botanique, quoi, c'est par là où il y a toute la nature. Tiens, il y avait deux mecs en bleu, là. Il y avait un groupe de deux personnes. On va aller voir ce que c'est. Allez, des gens, toi. Poussez-vous, on va voir le groupe. Ouais, j'ai vu ça. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est des mimes. Il y a vraiment de drôles de gens, quand même, dans ce jeu. Voilà, il me montre pour où il faut aller. On va prendre par là, il y a un petit chemin. Toujours des circulations dans ce coin. Hop. Quel beau virage. Ah, il y en a qui se lève. On va les secouer un peu. Ah, encore ce pont. Allez, tiens. Voilà, faire des petits sauts, hop là, regardez comme si on comptait la même qui a fait une galipette.
Ou une pirouette, je sais pas comment on dit. Ah, attention à pas sauter là où il y a le plafond. Hop là. Ouais, ouais, ils sont contents. Allez, quand c'est que leur dépose un là. Ah, ça y est, on s'approche. Vous voyez, ils ont peut-être une zone un peu plus grande que juste le trottoir, quoi. Patrick Valio, il va aller à la boutique encore. Centre commercial. Ouais, il est juste à côté. Par contre, le H&M, je crois qu'il est de l'autre côté. Ah, ça essaie de faire demi-tour. Allez, accrochez vos ceintures. Allez, il reste plus beaucoup de temps, il reste 60 secondes. Adieu à la cabine téléphonique. Hop là, j'ai encore arraché deux. Ah, c'est ça. C'est le H&M. Allez, il faut en déposer un à Fao Schwarz. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Hop là, le taxi a basculé. Ah, bah, c'est juste en face. Allez, dégage. Faut que je prenne quelqu'un d'autre. Vite, 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 vite. Ah, il y en a une ici. Ouah, c'est quoi? Ouah, mec, c'est un bastard, non? 25 secondes, ça va être un peu just. Allez. Est-ce que je vais y arriver? Donc pour ceux qui n'ont pas connu, voilà, en fait, le principe du jeu, c'est juste un jeu d'arcade, c'est pour le fun. On fonce, on speed, on essaye de faire des pirouettes, des sauts, de doubler des voitures pour gagner plus de points. Ben là, ça va s'arrêter d'ailleurs. Time up. Voilà, le jeu est assez simple. Alors, quel est le résultat? J'ai fait moins d'argent que tout à l'heure. Classé, ouais, c'est moins bien. Voilà, game over. Ben, ça va pas sauvegarder parce que je crois que j'ai pas configuré la carte mémoire. Donc vous avez d'autres modes aussi, j'ai pas trop compris. Il y a un replay. Mais voilà, le replay, ça n'a pas sauvegardé mon jeu. Donc il faut que je me penche dessus ça. Et tout à l'heure, il y avait un truc qu'on pouvait sauter au loin. Alors, je sais pas, c'était... Non, c'était pas Small Apple. Je crois que c'est Crazy Pyramid. Voilà, il y a différentes choses, mais là, je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai jamais trop joué à ça. Donc tout à l'heure j'ai essayé hors caméra, c'était un tremplin, et là apparemment il y a une balle de golf et je sais pas ce qu'il faut y faire, quoi. Ah si, il faut l'envoyer à 100 yards. Ouais. Il faudrait que je me penche sur ça. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur le générique de début qui sera à la fin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez connu, voilà vos impressions. Je vous l'ai dit, l'émulateur Dreamcast Redream, j'ai déjà fait des vidéos dessus, il est gratuit. Vous avez une version HD qui est payante, payée une fois 5$, c'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé non plus. Après, c'est à vous de trouver les jeux. Et si possible, le BIOS original. Sinon, vous avez un BIOS qui fournit avec. Et puis, comme d'habitude, sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt, tout le monde. Ciao.